Samedi 20 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1247 tests réalisés, 144 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,5%. Les cas positifs sont ainsi répartis. 123 cas contacts suivis par nos services, un cas importé à l'aéroport international Blaise Diagne, 20 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Keur-Massar 3 cas, Yombol 2 cas, Mbao 1 cas, Rufisque 1 cas, Bargny 1 cas, Zone B 1 cas, HLM Grand Médine 1 cas, Ngor 1 cas, Yoff 1 cas, Parcelle Assainie 3 cas, Westfoire 1 cas, Dalifort 1 cas, Guédiouaï 1 cas, Kaolack 1 cas et enfin Touba 1 cas. 71 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures hier, vendredi 19 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 5783 cas ont été déclarés positifs depuis le début de la pandémie au Sénégal. Parmi eux, nous comptons 3859 guéris, 82 décédés et donc 1841 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.